So hello everybody, I'm Grégoire Isser from the Student Society Tribune. Today we were very proud to introduce our first event on the Berlin campus, which was a reflection about the future of the European Union with two former presidents of the European Parliament, Hans-Gerd Pottering on one hand, and on the other hand, Nicole Fontaine. Avec des étudiants volontaires de SCP Europe, école où je suis adjoint professeur, nous avons publié en juin 2016 un ouvrage intitulé « Brexit, une chance » avec un point d'interrogation « Repenser l'Europe ». Alors évidemment, ce titre a pu surprendre venant d'une ancienne présidente du Parlement européen. En réalité, il ne s'agissait absolument pas d'un acte d'hostilité à l'égard des Britanniques, mais une prise de conscience très forte que l'Europe était malade et que pour qu'elle ait la chance de se refonder, il fallait qu'il y ait un choc, voire un électrochoc. Et que ce Brexit, finalement, s'il devait avoir lieu, eh bien, il pourrait être cette chance d'une clarification et d'un rebond. Et je dirais, en le disant très prudemment, parce que, bien sûr, rien n'est fait, mais aujourd'hui, on constate que c'est un peu ce qui s'est produit. Tout d'abord, les citoyens ont redécouvert l'Europe. Une Union européenne qui, depuis plusieurs années, les avait déçus. Les avait déçus parce qu'ils n'avaient pas trouvé au rendez-vous qu'ils souhaitaient, notamment d'une Europe sociale, d'une Europe fiscale. Si nous voulons que le projet européen retrouve tout son souffle, notamment pour les jeunes, il y a des grands chantiers qu'il faut avoir le courage d'ouvrir. C'est ce que semblent avoir envie de faire aujourd'hui les Français, sous l'impulsion du nouveau président de la République, Emmanuel Macron, et les Allemands, je pense notamment au document de négociation qui a été conclu entre la CDU et le SPD, et dans lequel on trouve un élan européen absolument formidable, susceptible de redonner espoir. The citizens in the European Union should never forget that the European Union is based on values, and these values are the dignity of the human being, the legal order, democracy, freedom, and of course peace. And we should never forget that when the European integration process started in the early 50s of the last century, the founding fathers and the mothers came later, wanted to reconcile the Europeans who had fought against each other over hundreds of years, and we had in the 20th century the great wars, the terrible wars, the First World War, the Second World War, and the founding fathers started a new policy that they said, we don't want to make our states strong in the sense that we prepare the next war, as it was the situation before the integration process, but let us reconcile the Europeans and let us go together into the European future. And these values I mentioned are the basis of the European Union. And we should never forget the European Union is not the whole of Europe. In the countries where we have the European Union, the integration process, we have no wars, we have no fighting. But outside the European Union, we still have these developments. If you look to Ukraine and the occupation of the peninsula of Crimea by Russia. So the European Union is certainly not a paradise on earth, but it's the better part of the world. And that's because our European Union is based on these values. And these values should be the basis for our common future in the European Union, and we should defend these values worldwide. «
So it was a great event for three reasons. First of all, we talked about Europe, which is an important topic for a school called ESCP Europe, obviously. Second, because we had two former presidents of the European Parliament at the campus, which is not given any day of the year. And third, this whole event was organized by students, and it's great to see, or it's making me proud to see our students being able to organize such a quality event.